interdiction de piquer, meuler, souder en secteur A. Le commandant monte à bord. Capitaine de corps et prison, j'ai prié de contacter le forfait. C'est un bateau qui fait 138 mètres de long, en un petit peu plus de 12 mètres de diamètre, 14 000 tonnes en plongée. Si j'osais, je dirais qu'il n'y a pas d'autre installation aussi compliquée qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, sauf peut-être la navette spatiale. Un bateau de ce type-là pourrait rester quasiment indéfiniment sous l'eau. Sa seule limitation provient de la résistance des hommes et de la quantité de vivres que l'on peut embarquer. La principale difficulté du travail de sous-marinier, en tout cas sur SNLE, c'est de durer dans le temps. On est là pour faire une mission qui est très particulière, celle de ne pas se faire détecter et d'être capable d'employer l'arme si jamais on devait recevoir l'ordre. Mais ça suppose de durer, d'attendre, de recevoir l'ordre. C'est vraiment un métier d'attente. Et on a besoin, comme on attend, de parler avec les gens pour meubler le temps. Le torpilleur de service contacte le 42-37. Voilà. Coucou. Bonjour papa. T'as été sage aujourd'hui? Ça va? Je l'aime, le papa. Coucou, dis donc. Dis bonjour. Papa. Un petit peu à chacun, parce que je n'ouvre pas une... Et votre famille, comment elle vit vos absences? Autant qu'on me le dit, à mon retour, bien. C'est quand même assez rassurant. Pourquoi t'as cru ça? La nature de la mission nous contraint à être dans un silence absolu, donc bien sûr on ne pourra jamais donner de nos propres nouvelles vers les familles. En revanche, chacun à bord a le loisir de recevoir un petit message familial. Oh, de quoi l'avenir sera fait, là, des quenelles? Il fait le mort, lui il fait le mort. On peut parler, nous on envoie nos familles, mais il n'y a pas de réponse. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu... On a un petit coup de blouse, mais ça dure pas. Pour quelqu'un qui vit mal la solitude, le temps peut passer très 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 lentement. Mettez-moi bien en position. Bravo. Très bien. Bonjour, t'as le vertige. Finalement, c'est le garçon le plus peureux dans cette famille. Tu viens faire un câlin? Hé! Oh oui! Hé! Voyou! Petit voyou! Petit voyou! Au revoir, maman! Alors, Yann, vous partez quand? Demain! Ouais. C'est reparti pour un tour. Une fois qu'on sera dans le bateau, ça ira. Et le plus dur, c'est de se dire au revoir et puis de se dire que c'est fini pour 2 mois, quoi. Mais non, j'aime pas les adieux au pied du bateau, comme ça, c'est... Non, je préfère descendre, dire au revoir vite fait, puis partir. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, Kétien? Les photos qu'il va mettre dans sa bannette.
je pense, au-dessus de sa tête. Je vais mettre dedans. Donc là, c'est photos, toutes les dernières photos de nous trois, enfin nous quatre. Nous trois, oui. Lui aussi, il est dessus. Et ça, c'est des albums qu'il peut feuilleter quand il veut. Et vous, vous regardez des photos quand il est parti? Ouais, mais moi, ça me donne plus le cafard. C'est vrai que de voir les photos, c'est là que, bon, c'est vrai, ça me donne plus le cafard qu'autre chose. Je préfère, voici arriver peut-être en fin de patrouille, je vais regarder qu'au départ, bah, je pleurais sur les photos, donc je préfère ne pas regarder comme ça. Moi, je ne sens pas pleurer, quoi. Tu vas manger? Oui. Allez. S'il part bien, je pars bien. S'il part pas bien, c'est vrai que je le laisse et puis j'ai le cafard. Je me dis comment ça va se passer et comment je vais retrouver au bout de 70 jours. Quoi. Le plus dur pour une patrouille, à mon sens, c'est la séparation familiale. Et je crois qu'on ne s'y habitue pas. Au fur et à mesure des patrouilles, il y a des gens qui nous disent « Oh, c'est la routine ». Non, je ne crois pas que ce soit la routine. Il y a trop de choses qui se passent à terre pendant qu'on n'est pas là pour qu'on dise que ce soit la routine. Machine 12-9. Zéro la barre. Vous avez 50 minutes, c'est quand même. Dans l'esprit de beaucoup, le sous-marin est un chasseur. Un sous-marin comme le téméraire n'est pas un chasseur. Un sous-marin comme le téméraire doit se cacher au milieu de l'eau. Et ça veut donc dire que l'on doit être capable de repérer tous les bateaux qui sont autour de nous et de les éviter, sans jamais se faire repérer par qui que ce soit. La préoccupation, c'est bien de durer, de conduire le bateau en sécurité, en discrétion, pendant 60-70 jours sous l'eau. Moi, je le mets. TTM sur le 34. C'est une aventure humaine. On peut pas partir pendant 70 jours enfermé dans quelque chose qui fait 110 mètres de long avec 110 personnes sans qu'il y ait effectivement une aventure humaine. Là, on est condamné à faire avec l'autre. 46, 20, nord, 5 ouest. Après 10 heures de navigation en surface pour rejoindre les grands fonds, le téméraire se prépare à plonger. Pendant 70 jours, il va se dissimuler au fond des mers, interrompre ses liaisons et ne plus donner aucun signe de vie.
à 19h Alpha, il est 18h Zulu. Comment les 110 hommes d'équipage vivent-ils cette plongée de 2 mois et demi? Pour la première fois, des caméras vont vous le montrer. Elles ont été confiées à l'équipe médicale du bord. Voici la chronique hors du temps et hors du monde, filmée par les sous-mariniers eux-mêmes. En train de passerelle, les deux volets sont fermés. Alerte, 150 mètres. Alerte, 150 mètres. On vient à 150 mètres. Ouvrir les pures des 6 et 1. Ouvrir les purges des 3 et 4. Appel à multifonction. Appel à multifonction. Toute purge ouverte. Début de plongée. Plus 5 degrés d'assiette. Venir au 110. Immersion 70 mètres. Vous êtes à 50 minutes, c'est quand même pas mal. Radio étanche à 150 mètres. Au sud central. 50 minutes. Premier service, paré à la cafétéria et au carré. Bon appétit. C'est bon pour toi ? Il y aura des plats en sup ou pas ? Je suis maître d'hôtel, j'ai 4 appelés sous mes ordres et donc je m'occupe de faire servir les repas pour tout l'équipage. Quoi. On m'appelle Yann Macaf à bord, mais c'est ma cafétéria parce que bon bah c'est mon lieu de travail, c'est un lieu de détente et puis ouais, c'est mon endroit ça. À bord, il existe environ 50 métiers différents. Ça va du maître d'hôtel qui sert les repas à l'ingénieur qui met en œuvre le réacteur nucléaire, en passant par la personne qui exploite les sonars, en passant par le mécanicien qui est chargé de la mise en œuvre des usines de production d'oxygène ou de production d'eau, en passant par les électroniciens qui sont chargés de la surveillance des missiles. PCM va bien ? Le PCM va bien. Bon, rien de particulier ? Rien de particulier, comment alors ? Bien sûr, sans oublier le cuisinier, le boulanger, qui sont importants à bord, et une équipe médicale. Le bateau est une petite ville, un petit village. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu juste pour quelqu'un qui connaît pas, mais sinon, non, c'est bien. Quand on s'entend bien, c'est bien. Puis on a une petite installation télé, là. Hein? Bon, à côté, c'est des consoles de jeux, hein, histoire de s'occuper un petit peu, quoi. On est 4. Il y a tout le confort, il y a largement la place au niveau des caissons. Avec les dessins. C'est toujours le même cadre hein, depuis 10 ans. Il commence à être un peu fatigué. Alors, on va le mettre par là, hein, histoire de l'avoir au-dessus de la figure. En espérant que ça colle bien. Sinon, je vais le prendre sur la figure. Le plus dur après, c'est de le décoller
Après, il tient bien. En fin de patrouille, c'est la misère pour décoller ça. Hop. Voilà, comme ça, j'ai toute la famille au-dessus de la tête. Ça, ils nous surveillent. Alors, si on fait pas de bêtises. Voilà. Le temps a séché FA1. Oui, c'est chez FA1. Ils sont en train de le dissiper. Rentre-moi, écoute. On a le niveau casse FA1, on demande l'autorisation d'assécher. Oui, vous avez l'autorisation d'assécher FA1. Les mises à séchement. C'est haut, on assèche, par dia 2. Enseigne de vaisseau Caron, je prends le quart. Sous la pose Alva, en route 278, immersion 180 mètres avec les machines 7 et 9. Bien. Ah ouais, je... Le rythme de vie à bord est donc globalement rythmé par l'écart. En moyenne, chacun effectue donc environ 8 heures d'écart par jour, puisque le tiers de la journée. En plus de cela, il faut se reposer, il faut éventuellement prendre un petit peu de temps pour ses loisirs. Et puis certains vont aller faire du sport ou vont se reposer plus que d'autres ou passer plus de temps à discuter, à lire. Après, chacun organise sa petite vie suivant quelque chose qui pourrait paraître une routine, mais qui est essentiel pour durer. J'ai oublié comme c'était couillant de faire du vélo sur un sous-marin de 100 mètres au fond de l'eau. Tiens. Garde à vous. Le bonheur est dans le pré. Bon alors, ça va? C'est très bien qu'on a. Si vous voulez me le faire à l'américaine, c'est comme ça. Bien horizontal. Ah, les Américains. Dans l'œil. Dans les films, c'est non, vrai, c'est carrément. Là. On peut se baisser. Alors que le salut français, c'est beaucoup plus simple. Ah bah. Non. Les doigts tendus, le pouce joint aux autres doigts, la main dans le prolongement de l'avant-bras. À partir de la position du garde à vous, qui consiste à avoir les bras tombant naturellement le long du corps, le petit doigt sur la couture du pantalon. Non, comme ça. Portez vivement la main droite. Poste de au bord inférieur de la casquette. On est bêché. Traditionnellement, on dit que le commandant second est la maman du régiment, oui. Je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est, je dirais, pour prendre un terme très utilisé aujourd'hui, un facilitateur ou un médiateur. Lorsque l'on vit en milieu confiné, en promiscuité avec les autres pendant longtemps, coupé de la terre, coupé de sa famille, bien évidemment, le moral peut fluctuer. Donc moi, j'essaye de voir que chacun conserve un moral et de le soutenir lorsqu'il en a besoin. Alors, mon grade actuel, c'est lieutenant de vaisseau. Et ma tâche à bord est de m'occuper de toutes les armes du bord, aussi bien les armes tactiques que les armes stratégiques, c'est-à-dire la force de dissuasion nucléaire. Alors à bord, vous avez toujours une guéguerre très amusante qui est chacun considère que c'est lui le centre. Le DSM va considérer que c'est lui le centre puisque c'est lui qui permet de détecter ce qu'on a autour. La machine va considérer que c'est elle puisque c'est elle qui promène les armes. Mais finalement, la raison d'être du bateau reste quand même l'arme nucléaire. Et mon choix s'est porté naturellement vers ce qui est le centre de ces bateaux. À bord du téméraire, on a, comme d'ailleurs sur tous les SNLE de la marine, on a 16 missiles. La puissance globale de destruction, puisqu'il faut bien employer le mot, est en gros 2000 fois Hiroshima.
C'est quelque chose qui paraît assez terrifiant. Je me suis déjà imaginé, effectivement, un jour, avoir besoin d'appuyer sur le bouton. C'est le fameux feu nucléaire. C'est quelque chose qui... Je ne crois pas, en fait, qu'on puisse vraiment se mettre dans la peau de la personne qui va appuyer dessus. C'est quand même un acte qui est définitif, d'autant plus que lorsqu'on aura reçu l'ordre, la première chose qu'on fera, c'est couper les liaisons de manière à ne pas pouvoir recevoir de contre-ordre. C'est ce qui nous assure que, justement, l'ordre aura été envoyé de manière très réfléchie, puisque le chef de l'État sait qu'il ne pourra pas annuler son ordre. Ah, le grand prêtre des missions. Bonjour. On est où? On est pas très loin d'il y a 2 heures. On a eu un problème? Oui. On est en rechange. Par rapport au BSQ, on reprend 1 heure dans la vue. Tu m'en laisses un peu de mou, Franck? Rapide. Attends, bouge pas. Alors, ces tenues-là, elles ont quoi de spécial? Eh ben, elles ont pas de poche, elles ont pas de fermeture éclair, il n'y a rien en ferraille. C'est ça la particularité. À cause des missiles? C'est pour entrer dans les missiles, ne rien laisser traîner sur un propulseur, ne pas s'accrocher sur un câble électrique ou... Voilà. Donc avec ça... C'est pour ça qu'il y a des élastiques partout, on peut rien laisser tomber. De toute façon, on doit rien avoir avec nous, pas de montre. Ah d'accord. Bon, ben, ça va être chouette, ça. C'est une histoire qui a pour lieu. Et la belle en nom de Dieu, 482, histoire d'amour et de désir. Donc ce réseau est composé de 4 liaisons et de 7 réseaux. Nous avons 7 réseaux et 4 liaisons. Ces 4 liaisons sont les liaisons de commandement et de sécurité. Tout ça, vous avez ça, en les gros titres, vous les avez sur les petites feuilles que je vous ai données. Le lundi des patates, le lundi des patates, le mercredi des patates aussi. Après, nous avons la liaison de communication et de maintenance. Je suis enseigne de vaisseau et à bord, je suis chargé des transmissions. Dans chaque zone, on peut diffuser dans sa zone. Ce qui est assez intéressant, c'est de vivre au jour le jour avec des gens... dans un milieu assez restreint. Des gens avec lesquels on n'est pas forcément lié d'amitié ou pas du tout les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes caractères, etc. Donc c'est une sorte, il faut composer un petit peu avec les uns, avec les autres. Donc à ce sens-là, c'est super intéressant parce que ça, on n'a jamais l'occasion de le faire à terre, quoi. C'est-à-dire qu'à terre, quand on bosse... On travaille la journée, le soir on rentre chez soi, le type qui vous embête, vous prenez pour un sale type, vous le voyez plus quoi, pendant au moins 12 heures. Parce que là, vous êtes tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui, donc bah, il faut prendre sur soi, etc. Donc humainement, c'est assez intéressant. Et le dimanche, jour du Seigneur, alors je mange des patates au beurre. C'est, on est très proches les uns des autres, quoi. C'est vrai qu'il y a de la promiscuité, hein. C'est sûr qu'au bout de 40 jours, on s'énerve vite, on prend vite la mouche. Mais malgré tout, il y a de la solidarité, il y a ce sentiment d'être... on est en confiance, enfin, on est bien, quoi, avec tous nos camarades, quoi. On est en symbiose, mine de rien, on peut dire que c'est une symbiose. On arrête à Mel2. Thank you.
je fais mon service national en ce moment. J'ai 24 ans. Et donc, je suis l'un des derniers appelés, dirons-nous. C'est la tradition, il y a un bol d'eau salée, donc d'eau de mer, qui récolte directement à bord du sous-marin. Et puis après, il y a une mixture. Oh, ça va aller, je pense. Hein. Moi, je suis content d'être avec vous. Hein. Bon appétit. Pour l'instant. C'est-à-dire que bon, le goût, on essaye de ne pas faire attention. Puis surtout la quantité, le volume d'eau qui est quoi d'eau ? De vin ou d'eau salée de mer, qui est assez importante. La première gorgée, ça va, deuxième aussi, mais après, au fur et à mesure des gorgées, ça devient un peu difficile. Internat, c'est un peu les mêmes rituels. Pour eux, c'est la façon de dire bienvenue à bord et puis maintenant tu es une autre, tu peux naviguer avec nous. C'est comme un bonjour pour eux. Dans 5 minutes, inspection du secteur A supérieur par le commandant. La routine de la patrouille. Je suis ce qu'on appelle à bord le patmache, donc patron machine. C'est-à-dire, on fait tourner des turbines pour faire avancer le sous-marin, des turbines pour produire de l'électricité, et on produit de l'eau douce avec une équipe. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Oui. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, c'est pas la peine d'être trop nombreux. Ça repousse, dites-moi, votre principal. C'est militant, quand même. Ouais, non, heureusement, enfin bon, c'est bien. Pour retrouver vos sensations. Mon âme. Vous avez complété, c'est normal, où ça crache, il reste 10 places. Deux caméramans, alors, on ne plus. Vas-y, descend. Vas-y, on est d'accord. Il marche pas, il est à mi-marche. Ouais, c'est vrai. On va après le bouilleur. Le bouilleur, ça c'est ma fiancée à la mer. Ça. Alors on dit en général que les femmes sont capricieuses, mais alors ça c'est pire. Pichonnet, puis ça marche. C'est pire. On va commencer par les cochons. On attaque par les bras du jeu aussi. C'est des tomates. Ouais, ouais, bon, d'accord, on va attaquer par là. C'est l'aspect écologie, hein. Là, c'est relativement. Il va partout. Ah oui, il va partout. Il va partout. Il y a des endroits où on aimerait bien qu'il aille, il y va pas. Et d'autres endroits où ben, on s'attend pas à ce qu'il aille et puis il y va. Ouais, il y a celui-là qui me chagrine beaucoup, là, qui est 250 degrés. Vous avez bien mis votre toile, toi, 250 degrés ? Ça fait bobo. Non, ça, tout va bien, il faut le remettre. Et là, comme ça, ça a été tombé sur des points chauds. Parce que le risque, c'est comme les petites caisses comme ça, vous ne pouvez jamais garantir que ça tombe pas. C'est sûr que c'est pas bien arrivé. Et si jamais ça tombe, ça s'échoue en dessous. Il aime bien aller s'asseoir dans la cale. J'aurais presque dire qu'il aime bien se rouler dedans, mais non. Enfin, il aime bien descendre. À chaque fois, il est tout le temps descendu et il y reste un moment à discuter. Oui, non, il faut. Rouler peut-être pas, non. En fait, il se trouve que sur les, comme sur tous les sous-marins, les fonds sont intéressants parce que la gravité fait son œuvre et c'est généralement là que viennent s'accumuler des choses, de l'huile, de l'eau, que sais-je. Donc c'est intéressant. Lorsqu'on voit dans un sous-marin que les fonds sont en bon état, ça veut dire qu'on a réussi à bien maîtriser l'intégrité de toutes les installations. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Si on voulait arranger les choses de manière plus...
C'est aussi intéressant sur le plan humain, parce que c'est vrai que de parler avec les personnes qui en sont chargées de leurs installations, on apprend beaucoup de choses sur ce qu'ils font, sur la manière dont ils vivent et passent leur patrouille, parce que pour eux, c'est quand même une grosse partie de leur activité. Mais là, pour cette partie-là, c'est bien, donc vous dites à ceux que je n'ai pas vu qu'ils continuent quand même, malgré tout, on n'est pas rentré, donc il y a encore... À conserver comme ça, au moins. Ce sera comme d'habitude. Au moins aussi bien. Absolument. Ça va, M. Cled ? Ça va. Voilà, ma banane est à moi. Alors là, hop, on fait le tour comme ça, et là on dort. Et là voilà, toutes mes photos, mes enfants, ma grande fille, ma maman, Naomi et sa maman, ma chérie. Bonjour mes amours à tous. J'aurais quand même tout vu sur ce bateau. Quoi ? Filme même ta banette. C'est pour te faire un film berceau, quoi. Et voilà. Fin de l'Égypte guidée. Ça y est, hein, ça commence à faire un petit peu. Donc c'est long, tu trouves que c'est long ou c'est pas long? C'est long, papa? Oui. C'est pas trop dur parfois d'être toute seule avec les enfants tout le temps? C'est un petit peu dur pour... au niveau autorité, quand on veut un peu... C'est bien d'avoir, d'être aidé, secondé dans... Quand il faut un peu dire stop là, soyez un peu plus sage, calmez-vous. Et ils sont plus. Une voix masculine un peu autoritaire, ça leur fait pas de mal. Et c'est vrai que ça, à mon avis, ça leur manque un petit peu. Enfin, ils s'en rendent pas compte, mais moi, ça me manque un peu. Donc. Quand j'envoie un family gram, je leur demande. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à papa? Qu'est-ce qu'il sera content d'entendre? Parce qu'on peut n'annoncer que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors Alix a pu dire qu'elle savait faire de la bicyclette toute seule. C'était une grande nouvelle à annoncer à papa. Donc on l'a mis dans le family gram, hein Alix? Exercice 1, blessé, zone avant. Le but, c'est que chacun à bord sache bien en permanence ce qu'il a à faire dans les circonstances qu'on redoute le plus, en particulier l'incendie, hein, puisque c'est clairement quand même un des risques majeurs sur un bateau qui contient autant d'installations électriques ou autres. Centrale de DDI, l'infirmier se rend sur les lieux pour voir le second match de la fraise. Au cargo, j'ai une autre équipe de pompiers lourds disponible. Ça va aller pour l'instant, capitaine. Le sanglier, hein, parce que... Pas de DDI. Une des préoccupations majeures en cours de patrouille, c'est de faire en sorte que le personnel conserve une espèce d'inquiétude raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut en permanence se dire qu'il va peut-être se passer quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qui peut arriver malgré tout. Alors ça, c'est le dos.
On n'est pas là pour te faire mal. N'oublie pas, ouais, si jamais bon, ouais. tu vois que tu vas toucher, tu prends tes mains. D'ailleurs, tes mains, tu vas les mettre comme ça déjà. Comme ça. Voilà. Bah, tu me dis quand s'il y a un problème, tu te protèges les bras. Ouais. C'est bon ? Bon ? Allez. Allez, go ! Doucement, hein. On essaye de le maintenir. Ah, doucement, doucement. On essaye de le maintenir. Il n'y a qu'à la sortir sur le bord. On réfléchit quand il y a un incendie, parce que bon, c'est arrivé, hein, c'est déjà arrivé, bon, ça n'a jamais été grave. Et je peux dire que quand on n'est pas de cœur, ou même quand on est au lit, on se bouge vite. Hein. Et là, effectivement, il y a un petit moment de peur, de toute manière, c'est naturel. Hein. Attention pour lever, lever. C'est bon ? Ah non, ta gueule ! Ah, tu l'as ? Moi, j'ai. Allez, on lève. On lève, c'est bon ? Et on va le passer droit. Ça va ? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est calme ? Ouais. Il y a la tête ? Vas-y, ça va être bon. Attention, le nez, là. Hein. Retour à la case départ ! Non, c'est bien, à part ça, centrale du Cannes, pour le Cannes, fin d'exercice, 3 mois du matériel. Il y a une angoisse, c'est pour ça que les gens réagissent vite et très bien d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est la vie de tout le monde. En fait, on sauve. S'il faut intervenir, il faut sauver sa peau. Superbe. Les 5 pour moi, c'est. Donc whisky 1 dans le 092 pour 8800 mètres. Whisky 2 dans le 112 pour 800 mètres, la torpille franchit le mur. Quand on est enfermé, on n'a plus qu'à attendre le jour du retour. C'est vrai qu'on disparaît, on va dire, pendant 2 mois. C'est pendant 2 mois, on vit, je veux dire, quand même. Mais on n'est pas dans la vie active, je veux dire. On n'est pas sur Terre, quoi. En fait, qu'on soit sur un sous-marin ou sur une station spatiale, en fait, le résultat serait le même. Effectivement, on a le temps de réfléchir en mer, qu'on soit de quart ou avant de s'endormir. Bon, on fait toujours, on a toujours des scénarios, mais en général, ce qui me concerne, c'est souvent d'ordre familial. Donc on revient toujours dans le même contexte. Est-ce que ça se passe bien? Et puis des fois, on va même avoir tendance à croire qu'il y a eu quelque chose à terre. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien eu. On s'imagine des choses, des fois, qui ne sont pas fondées. De choses à raconter que le family, 25 mots, c'est trop court. Alors c'est vrai qu'on a tellement de choses à marquer qu'on sait pas quoi marquer, quoi. Donc si au moins j'avais au moins 50 mots, je pense que ce serait pas mal, quoi. Et vous l'écrivez donc toutes les semaines, vous? Oui, toutes les semaines, ouais. Tous les dimanches, parce que je sais que c'est tellement sacré pour eux que dimanche soir, moi, je sais que lundi matin il est parti en boîte aux lettres. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu avec lui, quoi. C'est notre temps à nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je trouve que vous l'écrivez vite, hein, quand même. Cette fois-ci, je l'écris vite parce que je l'ai pensé dans la voiture en rentrant.
Je me suis dit, il faut que je prépare, parce que je savais qu'en rentrant, donc je rentrais quand même à 7h ce soir, j'avais les douches des petits, la donner à manger, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Ça use ou se patrouille, hein? Ouais, ouais, ça use, ouais, parce que c'est quand même 2 mois et demi, mais on est coupé, quoi. Si vraiment il y avait un coup de téléphone ou un message ou une relation, même pour les enfants, ils comprendraient, mais là, non, c'est une coupure franche, quoi. Et puis, à le retour, on ne sait pas, ni dans un sens ni dans l'autre, comment ça s'est passé, donc c'est vrai que c'est dur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? T'as chaud en plus. Mais c'est pas 78. Oui. Maître Paul, vous apportez Family. Oui, c'est. Eh ben non. Pas de bol. Ah, ça y est. Voilà. C'est chaud chez toi, hein? Ben, Family, je l'ai envoyé 10 fois, oui, je dirais. Ludwig, il est pas à l'arrière, là. C'est sympa, on a 25 mots. Sont-ils vrais, sont-ils faux, on le sait pas. Donc c'est un... Bon, on espère que c'est les mots qu'on reçoit, c'est la vérité, mais on le sait réellement qu'au retour. Donc il y a toujours, des fois, il y a des périodes dures où on se demande... J'espère que tout se passe bien parce qu'on ne le sait pas. C'est bon, ça tourne sur moi, c'est vrai. Alors, premier de Pédou. C'est un bientôt, en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Merci. C'est pas l'Hermont, il est à l'arrière. Ouais. 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 Original, ma foi. Il y a un l'autre qui est arrivé. Libère. Il est là. Il est là. Ça marche. Merci. Bonne fin de cœur. Bientôt. Merci. Allez, nouvelles sont bonnes. Ouais, bon. Ouais. C'est vite lu, hein. Oh putain. Ça craint. Ouais, je vais pas avoir navigué pour grand chose, con. Elle a cassé l'espèce. T'as perdu les sous? Ouais. Qu'on a 24 heures et 24 heures, c'est long, ou on n'a que ça à faire réfléchir. Les familles, chaque mot qui est donné, on va lui donner une interprétation suivant le moment de la journée. Suivant le moment où je vais recevoir mon family, une phrase bénigne, je vais positiver, je vais dire « Ah, ça c'est super !» Le lendemain, je la relis, je dis « Oh là là, mais ça veut pas dire ça du tout !» Et allez, ouit, la descente aux enfers. Ah bah tiens, il est là. On va attendre qu'il termine alors. J'attends que tu te laves les mains ou. Bon. Ou je te le donne comme ça? Je pense que j'y arriverai quoi. Ouais, t'y arriveras. Hein, tu le prends par le coin. Ouais. Ça problème, je serai pas là pour le briefing. On va préciser un petit peu aussi des choses pour l'environnement. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Je dirais que de ne pas savoir ce qui se passe, si on a un caractère qui commence à devenir un petit peu inquiet, ça devient une véritable torture. T'es impressionnant, Cyril. Le pire, c'est qu'il peut revenir dans 30 jours, je ferai la même chose. La ronde. Ma petite chose à moi, c'est de faire du sport. Mais quand je fais du sport, je fais du sport. Je suis étanche à tout ce qui se passe autour, quoi. Donc le sport, c'est nécessaire à mon bien-être psychologique. Oh, que vous êtes vilain. Quand je fais du vélo, je suis absolument pas à bord. J'ai les yeux ouverts, je vois ce qui se passe. Mais c'est les champs autour de moi, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est l'exutoire, mais parfait pour moi. Bon, moi, il me reste une petite centaine de bornes à faire et ça devrait aller. Ok. Moi, j'irai faire un tour à l'infirmerie, mais réellement.
d'encourager ce genre d'activité parce que ça permet de sortir un petit peu de la seule vidéo qui reste malgré tout la distraction la plus fréquente, un peu la plus facile et puis ça permet d'avoir des contacts complètement différents d'une manière plus détendue, ce qui est tout à fait appréciable. Donc on est combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, on a encore 5 qui doivent arriver. On pourrait prendre un petit quelque chose à grignoter et un petit rafraîchissement. Sympa. Je crois. Bravo! La jaune est bien. C'est la pression de la caméra. C'est super. Ça permet un petit peu de décompresser, d'exprimer ses angoisses, de parler entre nous. On a des difficultés communes, quelquefois non, mais de les exprimer, ne serait-ce que de les exprimer, cela fait beaucoup de bien. Claire, je suis comme toi, aussi, aussi nulle. Même moi, plus nulle, je suis nulle. Mais bon, je sais parmi mes amis que beaucoup ont été ébranlés par ce qui s'est passé pour le Kursk. C'est quelque chose qui a touché beaucoup de monde. Et on peut toujours être soucieux par rapport à leur vie de tous les jours. Mais comme on dit, pas nouvelle, bonne nouvelle. Donc j'espère que tout va bien. Et on lit pas dedans le marque de café là. Ce que j'aimerais bien lire, c'est la date du retour. Ouais. Alors, je sais pas, je dirais allez, le 23, le 24, 25. Aidez-moi quoi. Ouais. Ben, le commandant nous a dit qu'on verrait le match, le prochain match du tournoi des 5 nations là. Forcément, c'est du rugby, n'étant pas calé en rugby. Avril. On a un scoop. On est rentré avant le 29 avril. Ce qu'il a dit ce matin. Mais bon. C'est au central de l'Université de Colosseum, il faut prendre la manœuvre. Contrairement à ce que le commandant Cousteau a fait croire, la mer est tout sauf un monde silencieux. Et vous avez tous les bruits des biologiques autour de vous. Vous entendez de temps en temps, avec plaisir, des baleines. Vous entendez toujours des cachalots, des dauphins, des crevettes. Et c'est ça qui fait tout le plaisir du métier, en tous les cas. C'est beau.
et j'aime bien. Ça me fait un peu rêver. C'est un bruit qu'on a oublié, ça. Ouais. Mais non, nous ne sommes pas au milieu de la pampa ni de la forêt vierge. On est quelque part au milieu de nulle part, à 300 mètres de la fleur. Ouh là. Le corbeau, t'as le corbeau là? Ah, il fait pas soleil là, il fait gris. Hein. Bon, allez, je change, je vais mettre le soleil. Ouais, mets du soleil là. Ah, le coup de la jambe bois là. T'as vu, il y a un daim qui est passé là. Qu'est-ce que je fous là? C'est tellement beau ça. Voilà, un visage de J36. Ouais, ce serait mieux à la maison. Allez, on vient de te rentrer. Bon allez, on va aller taper l'air. Dis bien ce CD là, non? Allez, t'as ton truc. Envoyé ton familier alors? Oui, j'ai envoyé mon familier qui est passé, c'est pour ma voiture. J'ai vu comme ça raconter tout mes malheurs. Il y en a pour 20 000 francs de réparation, la boîte de vitesse est cassée. J'en dis surtout, hein, vous me dites si ça passe pas, vous me dites. Hein, pour l'instant, c'est toi qui as le truc le plus impressionnant de cette patrouille. Hein, là. Voiture cassée. Non, ouais, mais pour l'instant. Oui, non, je touche du bois. Non, parce qu'attends, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, j'étais à l'hôpital. Pourquoi? Parce que Marc-Henri était parti aux urgences, parce que, en fait, hier, je suis partie donc ce week-end à Nantes. J'avais loué une voiture, je reviens dans mon allée. Tout d'un coup, mal au cœur, il se met à vomir. Hier soir, je lui donne ses médicaments. D'un coup, il se met à trembler, mais à trembler. Les doigts, les extrémités, les pieds, les mains froides, enfin gelées, les lèvres bleues. Palpitations cardiaques. Alors j'appelle le médecin qui me dit allez aux urgences. Je pensais que j'en avais pour 2 heures. Je suis restée là-bas 4 heures avant de partir. J'en avais ras-le-bol, j'en ai pleuré tellement j'en avais marre. Il y avait un monde fou. Les ambulances n'arrêtaient pas de passer. Et c'est pour m'entendre dire oh ben non, c'était juste une hausse de température brutale. Alors ça fait cet effet-là. Mais pour ça, de toute façon, je vais pas lui en parler parce que. Il va être au courant de toute façon. Au retour, oui. La voiture, ça passe, mais... Oui, la voiture, ça passe, mais... Enfin bon, voilà, j'espère que ça va s'arrêter, mais... Voilà. On va passer. Bien les poumons. À ma main, j'ai eu un petit souci avec une carafe d'eau récalcitrante. Donc je me suis coupé au niveau du petit doigt, de la main droite, et ça a sectionné le tendon. Avec tous les tendons extenseurs hein, qui étaient sectionnés, donc il a fallu aller les chercher parce qu'ils s'étaient rétractés, retendre l'appareil et refaire une suture et puis resuturer la gaine par-dessus. Donc c'est quand même un peu lourd comme intervention pour être fait sur un bout de table. Compresse.
Quand vous êtes dans un hôpital, au sein d'une équipe, on se dit toujours, on peut se reposer un petit peu sur les autres. Hein. On se dit toujours, si j'arrive pas, j'appellerai un tel. Il sera pris en charge par le kiné après. Ça, en mer, on est obligé de s'occuper du patient de A à Z. On est un peu stressé. Mais... Yann, je le connais depuis 1990. On avait navigué, on a déjà fait quelques patrouilles ensemble. Et il est vrai que lorsqu'on a dû faire l'intervention, c'est souvent les gens qu'on connaît le mieux, avec lesquels on s'entend le mieux, qui passent sur la table, ce qui n'est pas évident. Donc il y a une certaine appréhension. Et puis pour nous, on est aussi dans le petit concours, dans le phénomène de routine. En deux secondes, il faut balayer tout ça. Et puis d'une pièce qui semble être une pièce pour jouer aux cartes, il faut en faire un bloc opératoire, quoi. Donc c'est pas évident. Bonjour. Alors, vos impressions pour la presse? Ça va, ça va. Bon, on fait une bonne sieste. Ça planait? Ouais. Bon, ça va, le réveil est pas trop dur. La bouche un peu pataze? Ah, ça va. Après un bon gigio, ça devrait aller. Ouais. Ah non! C'était pas une grosse intervention, mais... Ça marque. Une fois qu'elle est terminée, lorsqu'à 22h on l'a terminée, on dit « ça y est, maintenant, on est bien. On a pu aller manger. » Important, ça. Par contre, tu gardes ta perte avec toi? Ta gourde? Du ski? Hein? Ça arrive pas à tout le monde d'être opéré comme ça en mer, mais bon, on s'en passerait quand même aussi. Ça bosse là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais ? Les statues, c'est pas des statues, c'est des spatules. C'est bien ça, c'est pratique. Voilà. Là, on est dans l'appartement qu'on refait entièrement. Parce que comme on a vendu la maison, du coup, on a pris un appartement pour mettre nos meubles et puis habiter quand on rentrera de Dakar. Parce que Yann est muté sur Dakar à partir de juillet, quoi, pour 2 ans. Donc là, il n'est pas là, mais il y a du boulot, on s'ennuie pas pendant qu'il n'est pas là, faut pas croire. Tout doucement, attention de faire mal. Hein. Tout doucement, tu vas. Il avait dit de mettre l'appartement à nu et qu'après, il passerait des nuits s'il faut avec son père pour refaire l'appartement, mais il n'y aura pas besoin de passer des nuits, je crois pas, ce sera déjà fait. Quoi. Il aura bien avancé. Et je me dis que plus il est dedans et plus on avance et plus il aura l'effet de surprise quand il va rentrer. Donc maintenant on peut déjà compter les jours, quoi. Et c'est vrai que c'est son appartement, c'est lui qui a choisi la maison, c'est moi qui ai choisi l'appartement, c'est lui. Hein. Oh, il doit y penser, ça doit être même plus stressant d'être à l'intérieur. Ça va être la première chose qu'il va faire en sortant de l'arsenal, ça va être devenir là. Hein. Ah bon, c'est clair, c'est sûr. Ah bah si, on lui trouvera du boulot. De toute façon, je vais le passer, hein, ouais. Faut pas se leurrer, hein. Non, mais il va pas croire qu'il va passer des vacances à rien faire. Hein. Jusqu'à ce qu'il parte à Dakar, il va bosser. Là, le médecin, on est rendu à tirer sur ses poils pour avoir une barbe un petit peu plus épaisse. Ah, tout part à volo. Mettons que je me trompe, je vais peut-être me tromper. Mais t'as le droit de te tromper. Exactement. Tout à fait. J'ai toujours dit ça. Je te dis. On va rentrer.
Ah, mais plutôt que le 25. Non, mais ça, on veut pas. D'où ça vient? Dis-le à ton chef de car. Non, mais attends, un caresseur de boule, il est ici. Il veut quelque chose. Il ne Regarde-le. Moi aussi. Moi aussi. Dans ma famille, il y a des grands gourous, tu sais. Je sens qu'on va rentrer le. Franchement, tu m'écouteras, tu te rappelleras que tu sais. Bah, que t'avais dit des bêtises, t'as rien. Non, il n'y a rien de concret. Non, ça s'arroustera. Il a pas donné de date, ça s'arroustera. Il a dit on va rentrer avant le 25. Bah, j'espère bien qu'on rentre avant le 25, sinon on rentre le 3 mai. Il est marrant, lui. Communication générale du commandant. Pour mettre fin à un suspense haletant, je vous annonce que nous rentrerons à Brest. Le lundi 23 avril. J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne fin de patrouille et vous demande bien sûr de prendre cette date avec les précautions d'usage. Réception d'un message à Brest. Eh ben c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a le bon goût d'aller rappeler ce combat là, rapidement. Allez, parti. On est sur surprise. L'équipage au poste de combat. Au poste de combat. Au poste de combat. Putain, rendre compte de l'appel au poste de combat. Ok, ouais. Lourd, pareil à la zone avant. Commandant, c'est bon, on a le contact. Bon, là, on est complet, là, à l'avant. Centrale de zone avant inf, on est complet au niveau du PCDG pour la zone avant inf. Initialisation du système d'armes pour un lancement fictif sur tous les ensembles. Tous les ensembles seront mis en œuvre. On fait un lancement fictif une fois par semaine pour vérifier que le matériel est toujours apte à remplir sa mission, au niveau du missile principalement. Activité lancement fictif. Ça permet, en laissant filtrer ces taux de réussite, de manière très subtile, d'avertir nos adversaires potentiels que l'arme nucléaire française est toujours efficace. Le commandant est là. Oui, commandant. Disposition pour un LFSSL. Console état missile état de tube validé. Dans le temps, au bout de 70 jours, on peut finir par oublier la mission, qui est quand même la dissuasion, et ça permet au minimum, une fois par semaine, de remotiver les gens, de leur rappeler qu'on est en mer, non pas pour une mission anodine qui est celle de se promener dans 20 millions de sous les mers, quasiment, mais c'est bien d'assurer la dissuasion. Parce que déjà, même chez nous, c'est compliqué à faire. Compliqué. Mais il n'y a rien de différent entre eux et nous, non ? Superbe gâteau. C'est médecin. Merci. Alors, commandant, en tant que second, il me revient l'honneur et le privilège. Ah ouais, ah bah oui, oh non, on ne se permettrait pas. On ne se permettrait pas. Je ne sais pas comment elle va circuler cette photo-là, mais... Vous me faites exprès de te faire du rôle plaisir, là, nous sommes, non ? Oui, j'ai du mal à réaliser que j'ai passé donc plus de 1000 jours en plongée sous la mer. C'est bon. Ça ne sera pas bien compliqué, finalement, en laissant le temps faire son œuvre. Enfin, je serai vite doublé. On n'a pas l'impression d'une vraie parenthèse ou d'un trou, de quelque chose qu'on aurait manqué. Effectivement, à un moment, on a dû rater une Coupe du Monde de football ou une finale à Roland-Garros. Mais enfin bon, finalement, ce n'est pas une catastrophe. C'est au central de l'Université de Poulosac, je reprends la manœuvre. 35 mètres, 34 mètres, 33 mètres, 32 mètres, 31 mètres, 30 mètres. C'est le meilleur moment de la patrouille. Oui, vous avez l'accord conservé. Surface. Vous initiez le Mass Syracuse et vous initiez le l'Octoradar. Là, c'est le l'Octoradar et c'est la SHM. C'est l'Octoradar et c'est la SHM. Pas de CI, pas de Padma. Pas de tout effectué. Il y a un proche.
Raquette de l'Aviso, c'est l'antenne multifonction, vous prenez contact avec l'Aviso. Là, on vient de faire une reprise de vue dont le but était d'envoyer un message pour signaler qu'on venait de terminer la patrouille. Et on a fait un message pour dire qu'on était toujours vivant après nos 2 mois de silence. Top, il y a pointé l'Aviso. 005. Ouais, vous gardez vos éléments. 020. Il y a à gauche 10, venir au 020. Le kilo unité vous demande autorisation de faire surface. Toujours d'horizon de sécurité. Ouais, reçu. Kilo unité de Bravo 7, vous avez autorisation de faire surface. 2 kilo unité bien reçu, je romps la liaison quelques minutes, le temps de faire surface. On va y aller. Surface, chassez 1 minute 30 partout. Reçu de PCI, surface. Je prends 2 doigts d'assiette. Chassez au ballast 4 et 3. Chasse au ballast 4 et 3. On chasse, on chasse partout. On chasse partout. Bien. 017. On est en surface. On peut aussi l'ouvrir, c'est bon. D'accord, avec, vous pouvez faire ouvrir le panneau supérieur. Bon, on peut voir si t'as bronzé un peu, non? Non, pas trop, je pense. 67 jours de lampe de souris. Vous y allez, hein? Attention. Attends. Oui. Et voilà, ouverture. Le jour. Vous voyez. Encore la bagarre. Ah. Ça sent presque la mer. Il y a que là qu'on est bien. Un froid de canard. Ah, il fait bon ça. Oh, il est rigolo celui-là, regarde, caché là. C'est vraiment très fort. Je crois pas que je pourrais vraiment le décrire, mais c'est assez exceptionnel. Vous voyez la lumière pour la première fois depuis 70 jours. Mais je crois que la première sensation, et celle qui fait souvent le plus de bien aux gens, c'est de ressentir à nouveau quelque chose de très simple, c'est du vent. Vous reprenez contact avec la vie parce que vous avez à nouveau du vent autour de vous, et c'est une sensation de vitesse qu'on perd totalement à bord puisqu'on est vraiment dans un univers complètement clos. Ça fait vraiment beaucoup de bien de ressurgir à la vie. Madame, gouverne comme ça. Vitesse lock, c'est ça. 2, 2, 3. C'est fou là. Garde votre vent. C'est trop là. Retour à quai, ça, c'est un petit peu le. Ça va être la course en sac. Hein. Il faut tout arrêter correctement, il faut passer la suite à l'autre équipage, il y a plein de monde qui va nous attendre. Donc c'est une journée qu'on ne voit pas trop passer. Puis tu te retrouves le soir à rentrer, bon, ça fait un gros dépaysement. Effectivement, d'accord. N'exagérons pas. Alors, commandant, j'étais très ému, il y a même une garde d'honneur pour le tour, là, vraiment. C'était beau, ils étaient bons. Sous le soleil, c'était superbe. Ouais,
Et ben voilà, ça y est, je crois qu'on a... Dernière rentrée du coup. On a garé le bateau, là, je crois que c'est fini. Il ne dure plus. Et oui. Oui, c'est bien. C'est bien triste, mais tout ce temps-là, quand même, c'était... C'est agréable de les laisser comme ça. Et qu'est-ce que c'est, une garde d'honneur? Enfin, c'est quelques hommes en armes qui sont bien alignés et qui saluent d'un seul élan notre passage. Quand un commandant rentre pour la dernière fois, il longue un détache une garde d'honneur pour marquer l'événement. Tu vois, un peu. J'ignorais la tradition, mais c'est toujours sympathique. Voilà. Il va falloir abandonner tout ça. Fini. Tout qui part. Donc demain, il y a deux grosses corvées, il y a ça, il y a l'élévue. J'ai plus d'inspiration à faire ce que je fais. Ouais, j'ai plus de motivation à faire ce que je fais. Partir en mer, laisser la famille, 70 jours, pourquoi? Voilà. T'as ressenti un sentiment d'absurdité, non? Non, pas d'absurdité, c'est que je suis en train de perdre des moments que je pourrais jamais récupérer. Les gamins, dans une vie, surtout quand ils sont petits, 2 mois et demi, c'est long, c'est très très long. Mes enfants, je les ai pas vus grandir. Donc là, il serait peut-être temps que je dise stop et puis rester un petit peu avec eux aussi, quoi. Parce qu'en ce moment, c'est la phase où ils ont besoin qu'on soit là pour les mettre dans le droit chemin, les surveiller, les éduquer, tout simplement. Et c'est un peu ça qui te fait dire maintenant, ça suffit? Oui, et puis parce que j'ai envie un peu d'arrêter aussi, quoi. J'ai un peu des sentiments de ras-le-bol. Ça a été des bons moments, je tiens pas à ce que ça devienne des moments pénibles, tout simplement. Reçu de centrale, terminé, barre et moteur. Terminé, barre et moteur. Lorsqu'on entend terminer barre et moteur et ouverture du panneau avant, j'ai qu'une hâte, c'est de partir avec le camion et de passer mon premier coup de téléphone à la maison pour savoir ce qui s'est effectivement passé. Cyril ! Et à partir de ce moment-là, je fais ouf, la patrouille est finie, ça c'est bien ou ça s'est mal passé. Ne lui penche pas. Alors bon, vous avez les titres 1, là, les premières pages ? Lieutenant de vaisseau, Demoiselle, prends la garde. Bien. Et hop! Je veux prendre l'air, nom de Dieu! Le commandant quitte le bord. Parce que vu les familles, c'était... Et temps de rentrer, il y a tout à faire, quoi. Ouais, c'était histoire de pousser, ça. Mais non, mais bon, comme ça, moi, tu rentres, t'as pas de morale à zéro. Vous avez tous le texte? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va donner? Ouais. 3, 4... 69 jours, c'était pour toi. Et moi, 68 jours pour nous, ça va. C'est là et moi.
Quand on patrouille, on se cale sur toi. Et moi, et moi, et moi. Soirée disco, la cafane et moi. Perruque, paillettes et look baba. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Tu vois ce bateau, il est pour toi. Et moi, et moi, et moi. Je prends mon carton sous le bras. Pendant les permes, je penserai à toi. Pas longtemps car je t'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Pas longtemps car je t'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Voilà, avec un...